Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de test sur Terminator Dark Fate Defiance, donc la démo de Terminator Dark Fate Defiance. On est toujours en live, c'est toujours le Steamness Fest et c'est le deuxième RTS que je voulais vous montrer. Donc, qu'est-ce que c'est que celui-ci? Un RTS de type RTS, assez différent de Last Train Home dans le sens où on va devoir affronter, enfin c'est plutôt des missions en fait, on va affronter les machines bien sûr, on va jouer les humains, en tout cas dans la campagne, et je sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi, petit bug, et oui, et du coup ça va plutôt être des enchaînements de missions que lancer des escouades comme on a vu dans Last Train Home juste avant. Donc le jeu malheureusement n'est pas prévu pour le moment d'être en français, mais il y a des sous-titres assez nets, ça se lit bien, et il ne joue pas à la manette, il joue en solo, on n'a pas de prix bien sûr puisque c'est la démo. Il devrait être disponible cela dit d'ici la fin de l'automne. Donc on est déjà bientôt mi-octobre, ça se rapproche. Et c'est développé par Slytherin, qui avait fait aussi, enfin qui est un peu lancé dans des licences en ce moment, qui avait fait le très bon Starship Trooper. Il n'y a pas eu beaucoup de bons jeux Starship Trooper, mais celui-là était vraiment vraiment sympathique. Qui fait aussi, enfin qui publie aussi Battle Sector, donc qui est assez assez reconnu sur le sujet. Alors la démo est un petit peu brute de souche, il y a des choses qui sont relativement pas simples. Mais on va regarder ça ensemble, non, pas un new game, parce que les premières missions sont quand même un petit peu molles. J'aimerais bien vous montrer, voilà, la Haven Base de Colorado. Alors le concept, l'idée en fait, c'est que c'est 12 ans après que les machines se soient donc rebellées, que Légion ait pris le contrôle et commencé à exterminer l'humanité. Et nous, on va incarner les fondateurs, qui sont les humains, donc qui ont réussi à survivre et qui se battent toujours pour essayer de sauver l'humanité. Et on a été envoyé en mission de reconnaissance dans une zone qu'on voulait essayer de récupérer, notamment pour avoir des ressources. Mais on est tombé sur un convoi de prisonniers, ce qui est très inhabituel. Légion faisant pas de, enfin très rarement des prisonniers, ils s'en branlent un peu des humains. Et contre l'avis de nos sous-fifres, on a essayé de libérer les prisonniers, on les a ramenés à la base de Haven, donc la base paradis, mais c'était visiblement un piège, les machines nous ont suivis et lancent l'assaut, et donc du coup on doit tenir la base. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va garder, c'est vraiment un jeu à mission, mais on va garder entre les missions nos personnages avec leur XP, l'état des escouades. Vous verrez que c'est plutôt qu'avoir un soldat, c'est vraiment on joue des escouades plus à la wargame. Et je le trouve vraiment sympa, moi perso. Alors il est très tactique, beaucoup plus tactique qu'un Last Train, qui est un peu plus stratégique, notamment parce qu'on va devoir gérer les munitions des soldats, le ravitaillement, etc. en temps réel. Vous allez voir ça. Les temps de chargement sont un petit peu longs sur la démo, mais une fois de plus, hein, c'est la démo. Je sais que A4, si tu es toujours là, toi tu l'as pas trop apprécié, t'as peut-être même déjà parti d'ailleurs, vu que tu l'as pas trop apprécié. Alors, base Haven, c'est la patrouille T. On arrive sur votre position, on a des civils. Comment ça? Des civils, sire. Certains sont blessés, on devrait les aider. C'est un camp militaire, lieutenant, pas un camp de réfugiés. Permission denied. Et le Major Steven, qui dit en gros que même si on est des militaires, on est quand même là pour sauver des vies. Si on le fait pas, et ben on sert plus à rien. Donc laissez rentrer les gens. Il y a des ennemis qui arrivent sur votre site. Ce Légion, il a dû nous suivre depuis l'embuscade. Et vous avez amené jusqu'ici. Bien joué, sœur. Alors je vous traduirai pas tout en temps réel parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'action. Alors, il faut que on prenne nos positions défensives. Vous allez là, vous allez ici. On a un petit striker, on a un petit Humvee tout endommagé qu'on va aller poser par là. Toi, tu vas aller prendre cette tourelle. Alors, on a tout un tas de... Le jeu se lance vraiment à fond et il n'y a pas de pause. C'est
C'est la teuf, il faut tout gérer. la seule pause qu'on peut mettre, c'est le menu. Et en gros, il va falloir qu'on défende, ici dans cette mission, toute notre zone, qu'on peut voir ici sur la minimap. Donc on a des unités PNJ pour nous aider, et des unités qu'on contrôle, qui sont en bleu, qui sont celles que je bougeais un peu, et qui peuvent être de plein de types différents. On a de l'infanterie de base, on a des antimissiles, on a des éclaireurs, on a des forces spéciales, on a des snipers, tout un tas de personnages. On peut avoir également, comme vous avez pu le voir, des véhicules. Dans les véhicules, il faut des équipages de conduite pour pouvoir les contrôler. Ils sont un certain nombre. S'ils sont pas assez pour le véhicule que vous mettez, bah, ils peuvent éventuellement pas utiliser toutes les armes. S'ils décèdent de même, ils peuvent pas utiliser toutes les armes. En priorité, ils conduisent, puis après, ils utilisent les armes. Et tous ces trucs vont avoir des munitions, du carburant, un état, enfin tout un tas de choses à faire. Et là, notre priorité, ça va être de tenir la zone. Donc, on pose notre petit véhicule dans le coin. Le MJ, j'aimerais bien qu'il se tourne. Donc, on peut faire des réparations d'urgence qui permettent de retaper un petit peu les véhicules, au moins pour qu'ils soient fonctionnels. Vous, j'aimerais mieux que vous soyez par là-bas si possible. C'est pas idéal votre position. De toute façon, pour l'instant, c'est le front principal qui joue. Alors, c'est encore le tuto hein, à ce niveau-là sur cette mission-là, c'est la troisième mission. Et donc, il nous fournit un tank et une crew spéciale, un équipage spécial pour s'équiper du tank. Qui visiblement est assez connu parce que c'est un rigolo comme on dit. Alors il nous file un tank Bradley. On sait pas encore ce qu'il a comme équipement. Faut que nos mecs montent dedans. Vous voyez qu'on est très loin de la strain hein. Là c'est direct la teuf. Alors, il nous a filé un tank, mais on a zéro carburant, zéro munitions. Donc, on va sortir, et il nous a filé un camion... Normalement, un camion de ravitaillement quelque part, où est-ce qu'il est ? Je ne vois pas. Ah, il est là, ok. Les mecs sont jusqu'ici, très bien. C'est parti, donc il faut qu'on les envoie prendre ce truc. Parce que le camion... Ah non, il y a déjà du monde dedans. Ok, pas besoin. Parfait. Foncez. Vous, restez là. On a une crew pour le camion. Parfait. Je pensais qu'il fallait qu'on envoie notre crew. Ok, il y a de l'activité sismique. Il continue de nous assaulter, hein, bien sûr. Alors c'est pour ça qu'on va avoir, donc là ils nous introduisent un peu à la notion de ravitaillement hein. On va avoir tout un concept de redonner des munitions, redonner du carburant. Vous voyez là on le met en mode chargement et il nous remonte le... Ok, on va sortir vu qu'on n'a pas d'armes non plus. Et là par contre on a un camion de munitions à récupérer. Et alors normalement le problème c'est que nos escouades qui reviennent du combat là, elles sont un peu avides. Ah mais on n'a pas de truc de ravitaillement autour. Zut. Alors ici Watch 9, il y a quelque chose de bizarre. Ok, l'eau est en train de bouillir dans la caverne. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ils arrivent sur ce côté-là. Ok, donc c'est la merde. Ils vont arriver d'ici, on voit. Là, il nous faut notre tank. Brouillez-vous. Faut qu'on se faufile avec notre super canon de ravitaillement hein. Alors ils nous ont donné une escouade d'ingénieurs. Donc ils sont capables de conduire les ingénieurs.
ce qui est fort sympathique. Alors là on est arrivé, il faut qu'on déploie ça pour resupply. Là on peut essayer de poser des mines. Ici par exemple. C'est ce que je voulais faire. Allez les gars, ok, allez ici. On va en profiter pour remplir nos trucs. Donc voilà, là il y a des petits points qui vont apparaître de temps en temps qui sont des supplies fixes. Il faut une crew dedans, pas le choix. Mais du coup, on déploie, on se prépare au fight. Ça va, vous voyez, remonter nos munitions. Ici, on en est où ? On doit avoir au moins de quoi bouger. Là, on va reculer lui. Vous vous sortez. Faut que je le sorte de son mode. Reprenez le tank. Où est-ce qu'on en est ? On est à sec. Ok, pas cool. Barrez-vous. Donc il faut qu'on soit dans le tank pour recharger. Ça c'est pas sympathique ça. On a toujours la tourelle qui fait le taf, qui nous soutient par là. Ils ont une petite position de tir hein, sur leur truc de soutien là. On va sortir, on va faire des petites réparations d'urgence. Et toi par là, toi. Ok, on arrête les choses. Alors tant qu'on arrive à tenir les différents points là, qu'on voit là, dans cette carte, on va avoir nos tourelles et tout qui vont être réparées régulièrement. Le tank il en est où? On a récupéré toutes nos smokes et on est mi-munition pour le reste, c'est parti. On se bouge. On va aller tenir la zone là. Et vous, rangez ça. On va essayer d'aller les caler juste derrière là. Pour qu'ils puissent remplir les munitions de nos différentes troupes. Alors le problème c'est de se faufiler hein, dans la base. C'est parti. Donc là pendant qu'on y est au moins on a rempli à fond nos munitions, c'est déjà pas mal. Alors, c'est des petites smokes. Ah, c'est pas exactement là où je voulais les mettre, j'ai dû viser trop près. C'est du lourd là. Le tank va arriver juste à temps, on va le passer dans la fumée. Vous voyez, ça consomme de la munition hein. On tire, on recharge, on tire, on recharge. Alors ici, hop. Alors là faut faire gaffe parce que lui s'il se fait détruire on se fait annihiler la tronche. Ici on va sortir. Je pense qu'il faut être sorti pour se recharger. Non c'est bon, on est plein. Et vous, ouais, vous avez besoin de vous recharger un peu. Go. Notre tank est ici, parfait. Le MV, on va le reculer un peu parce qu'il est quand même un peu plus léger. On va attendre de se recharger à fond, on va récupérer nos ingés. Ça y est, eux ils sont rechargés. Là on en est où? On est rechargé. On va retourner mettre le camion en sécurité de préférence. Genre là-bas par exemple. Bon, pour l'instant ça va, il n'y a pas trop de violence. Hein. Nos tourelles sont capables de les gérer. Alors là. Oh shit! Legion armor! Center, we got Legion tanks incoming. Reassess your report, Church. Legion heavy armor underground? That's what I'm looking at right now, sir. Your orders are to hold your position and engage the enemy. I'm not wasting my best lives against tanks, sir. Hold position, Church. That's an order.
heureusement il a avancé suffisamment pour avoir nos... pour approcher sur les tourelles, il recule un peu. Ok, parfait. Là, notre striker est en flamme, il nous reste une crew member ici. On va le replier là-bas. C'est bon, merde, d'avoir perdu ça par contre. Il est en flamme. Recommend Lieutenant Church be placed under arrest, pending a full founder's court martial for dereliction of duty. Denied. Stole that talk, Blair. I need all my people. Blair, il nous aime pas trop, hein. Genre, on a amené les méchants ici. Ok, les ingés vont prendre la tourelle. Eux, maintenant qu'ils sont chargés, vont prendre ça. Et salut à Kat. Enfin, re du coup. J'espère que ça va bien. Ok, on va récupérer la crew qui est là, on va la sortir, on en aura besoin ailleurs. Bon, pour l'instant on va aller la mettre dans les petites tourelles de défense là. Même ici tiens, on en aura besoin je pense. Bon, on a perdu un striker, ah il brûle plus. Ah, est-ce qu'on peut remettre la crew quand il brûle plus? Ah on va le récupérer. Attends, demi-tour mec, désolé. cours. Cette mission qui t'a fait dire que le jeu est pas top. Ah, je la trouve que au contraire, c'est là qu'il montre vraiment tout son potentiel le jeu là. Il y a vraiment faut vraiment pas glander ça court de partout. Et salut Zikino, bienvenue sur le live. Wireheads are pouring in from the riverside and there's no one there to command our defenses. I can still get there, sir. It's over, son. Haven's being overrun. Donc en gros, le capitaine Blair qui nous disait qu'on était vraiment pas gentil s'est carrément enfui. Et maintenant, il faut qu'on tienne le temps que on évacue. Blair, you coward. It's our duty to stay and oversee the evac. Certains bâtiments n'empêchent pas les tirs, il manque trop de choses dans l'interface. Bah, moi je trouve ça sympa, tu vois. Le fait de se rendre, il faut aller cliquer et se rendre compte que les gens ils sont en déche de munitions, que. Ils ont plus ce qu'il faut, etc. Il y a un côté vraiment sympa, je trouve. Qu'il faut des crews pour tenir les équipages. Ok, il nous arrive de super derrière. Très bien. Alors, on a récupéré le tank. Ok, bon, ils attaquent plus par là. Donc on va envoyer notre petit péon tout seul récupérer ça. Au moins pour conduire. On va le rapatrier là. On va y aller avec notre tank. Alors notre Humvee, il a fait deux missions, il commence à en chier un peu. Alors le jeu est bordélique, je suis d'accord à 4, mais je trouve que c'est ça qui fait son charme, tu vois. Alors, il va falloir tenir les différentes zones. Ici, on a des petites zones de commandement qui vont tenir les différents entrepôts là. Et en fait, si on arrive à les tenir, on a des bonus. Alors, je me pose le temps de vous lire. Quand il n'y a pas de tranchée, la guerre est bien rangée. Oui, Zikino, on peut éventuellement dire ça. Le fait que tu n'aies pas 10 unités avec plusieurs armes, de ne pas utiliser telle ou telle arme sur tel ou tel ennemi. Ah oui, tu vas loin là, effectivement. Bah, on peut leur dire. On peut désactiver des armes, effectivement. Et alors, de là à dire, ne l'utilisez pas à tel endroit ou tel autre endroit, c'est peut-être.
Ce serait peut-être un petit peu trop compliqué, je pense, de toute façon. Alors, on a récupéré un anti-tank, un sniper. Ok, on va les ramener ici. On a récupéré des rangers également. Et après, globalement, ils utilisent pas leurs armes pour faire n'importe quoi. Hein. Enfin, de ce que j'ai pu voir, ça me paraissait plutôt logique, en tout cas. Et le problème après A4, c'est qu'il n'y a pas vraiment de d'infanterie. Les ATGM, je les ai jamais vus tirer sur de l'infanterie. Pour le coup. Vous venez là, vous allez prendre le striker. Les ATGM, des fois ils tirent et le truc sur lequel ils tirent se fait détruire avant. Je les ai jamais vus tirer sur l'infanterie avec leur ATGM. Hein. Ok, eux ils sont à sec, faut qu'on les replie. Ils sont fait détruire la tronche. Ah, là on a plus de munitions pour le canot de 120. On a pas vraiment de jeu pour aller le... Ils en ont que 4 hein, comment ? Des ATGM là. Et avec 4 ATGM, bah tu fais ce que tu peux quoi, mais... Venez là. On a un petit MV, on va l'envoyer ici. Ah, attendez, ça peut pas dans le chat. Tac. Dans ce jeu, les unités ont des munitions limitées, tout à fait Zikino. Et il faut les recharger soit avec des camions de ravitaillement, soit avec des points de ravitaillement qui doivent être opérés par des personnages qui savent les opérer. Par exemple, là si on prend lui, on voit ses différentes armes. Moi, ce que je trouve assez imprécis, voilà, c'est le fait de pouvoir pas forcément bien définir le sens des unités. Des fois c'est un petit peu brut. Mais j'aime beaucoup le fait que justement ça met une vraie pression justement sur le côté les machines on ne fait carrément pas le poids face à elles quoi. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ok, on va réparer un peu pendant que on a un petit sursis. Ici. Attendez, j'avais une crew toute seule là. Où est-ce que je l'ai mise? Là il est tout seul le gars, donc il tire plus. Ils sont 4. Ah, c'est dans le striker que j'ai mis le mec tout seul. Sors de là, tu vas aller opérer. Ah non, il y a déjà quelqu'un là, excusez-moi. Toi. Viens là, ok, on recharge ça. Ah, t'as loupé le jeu du train, effectivement. Désolé, Zikino. Ok, on commence à être un peu en déj de munitions, mais. Quoi. C'est trop risqué de. Alors là, on a récupéré un autre MV, c'est pas ça qui va nous sauver la vie. You can't be sure they got something going on. Then let's get rearmed, so we're ready for it. On va foutre là.
On a mis ici, je pense. Non, ce serait pas. Non, on va les mettre là. Vous tenez là, tenez ça, tenez ça. Même les snipers, on pourrait les mettre là-dedans, limite. Alors, vous sortez, je vais avoir besoin d'une vraie crew, et toi tu vas tenir ça tout seul. Ça fera bien le taf. Si pareil, toi tu sors. Hop. Viens là. Vous, il y a un MV qui vous attend. En avant. Le striker, il est à fond. Go. Ici on commence à souffrir. On va rapatrier cette unité d'infanterie. Parfait, les trucs suicides. Oula. Ça fait boum. Donc ça c'est des drones suicides, hein. Si vous les tuez pas ils vous explosent à la tronche et pour dire que ça fait mal. Hein. Forward post. Picking up signals of incoming Legion armor. Tanks and heavy spiders with MRLs. There's too much long range firepower for us to deal with. Suggestion, Sergeant? Draw them in closer so they lose their range advantage inside the base. Then engage them up close. Good idea. Center, we're pulling back from the forward post. It served its purpose. Center to all units. We're abandoning the forward post. Ok, sortez, sortez. Il n'y a pas assez de place pour vous là-dedans. Toi, tu vas là-bas. Là, on recule, on se replie. On va aller se poser là. Ici, pareil, on a du monde. On va pas pouvoir vraiment se placer là, donc on va se replier là-bas. Alors, eux, ils sont un peu vides. Pauvre Bradley là qui se fait dépouiller le fion. Face. Waouh waouh waouh, c'est pas dit qu'ils sont en remettre là. Bon, au moins ici on a pris la zone. Ok, ici on débarque. Non, une figurine de touche. La crew elle reste dedans. Les ATGM, ils vont venir ici. Ici, on active le rechargement. Toi, viens là. Essaye de réparer un peu. C'est beau ça. Très beau tir mec. Et salut Kazar, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. On n'a pas un bon angle là. Bah écoute, moi Akatsuki, franchement pour l'instant, les ATGM, je les ai que vus tirer sur des trucs qui avaient besoin d'ATGM. Des fois il y a un missile qui se perd parce que. Ici on s'est fait dépouiller, on n'a plus d'armement, c'est ça? Il faut
réparer là. Si on n'a plus d'armes, ça sert pas à grand chose. On se barre de leur rang 2. Ouais. Viens là. Le problème c'est qu'ici on est beaucoup trop mal placé. C'est un petit peu la guerre là. Hein. Nos ATGM ils en sont où? Il ne reste plus qu'un. Ah, c'est les priorités de tir sur les drones là. You seen this before, Sergeant? Once. And once is all I want to ever see it happen. What was it? Rebs. Those are rebs. All turrets have been rearmed. Shit. Vous, allez vous recharger, hein. Get in there. Ah, la tourelle lourde et galère un peu là. Ok, c'est bon, vous êtes plein, vous y retournez. T'avances toi. Ah, sa mère! Ah, on est déjà. On a un angle trop pourri là. On recule. On recule, les gars. Faut qu'il y en ait un angle de tir sur le. Ah, il est en train de se tourner pour allumer les mecs. Est-ce qu'on les voit là? On le voit? On le voit pas, hein. Putain, on le voit pas. Riffs, wait them before they get to the living quarters. Bon, alors là, Liège, parce que c'est pas. Ok, il faut sortir là. On va se mettre plutôt ici avec les ATGM, ça me paraît plus adéquat. Là on a récupéré du véhicule. Go, go. Ici il est en flamme. Ouais, boum, un ATGM, il a visé la... Par contre l'autre là il est hyper mal placé, c'est pas cool. Tirer dessus. On va recharger un ATGM. Bah, ils m'ont tué avant. Là, tu vois, bon, bah, l'ATGM il arrive nulle part, mais c'est pas de la faute du mec quoi. Allez, vous recharger. Toi, je sais pas ce que tu fous, mais t'es mal barré. Vous êtes plein, retournez là. Alors, oh là là là, Zikino. Metal Slug connaît bien ça, il télécharge tous les tanks qu'ils ont en stock en débarquement du ciel. Il y a des véhicules qui spawnent dans le garage, oui, ils ont. Tant que la truc de réparation est tenue, ils t'en réparent régulièrement, et par contre il te faut des crews pour les utiliser quoi. Ok, donc là on va arriver dans la dernière phase, il n'y a plus vraiment de véhicules d'évacuation. Ça c'est un Humvee à ATGM, on va le placer juste là pour essayer de les faire venir. Toi tu vas déployer ton truc, on va rentrer dans la zone. Et donc là le problème qu'on va avoir, ah, le bel ATGM là. Hate to say it, but Calderon has command squad experience. You want me and my crew to dismount and form a command squad? Sure, why not? Alors là, le problème qu'on va avoir du coup, c'est que les escouades de commande vont se barrer. Et donc il va falloir que nous, on la tienne avec autre chose. Ah, ils peuvent pas conduire les tanks. Ok, ça c'est fait. Les ATGM font le taf, il leur reste deux munitions.
Ready. Warehouse report. All turrets have been rearmed. Ok, on a repris le truc. Ça nous permet de réarmer les tourelles. Par contre, du coup, on n'a plus notre tank. Alors, on pourrait récupérer la crew de Big Bob là, pour aller prendre le tank à la place. Go les gars. Sur ce flanc, comment ça se passe? Ici on tient toujours la zone, on a toujours nos deux tourelles. Ils sont un peu attaqués des deux côtés, un petit ATGM là. Ah, qui s'est raté malheureusement. Visait la... l'araignée. Alors l'IA des fois elle charge un petit peu par contre, hein. On sent qu'ils veulent défendre la zone et ils y vont comme des sacs. Ça, ça me plaît pas ça. Ce que je pourrais faire avec ma croupe qui sert à rien là, c'est évacuer ces camions parce que s'ils explosent, ça va pas faire plaisir. Hein. Ça c'est un striker, on a un striker ici, ok très bien. Ouh la TGM là. Il est bien mis celui-là. Allez, toi faut que tu casses par là. Il met un poids. Donc là on a perdu la repair bay. On n'a pas trop le choix, hein. On est obligé de se replier. Ok, toi tu sors. Là il était mort le mec. Ça c'était les ingés, parfait. Prenez-moi ça. On va préparer le. On va préparer le. Préférer le repair, peut-être, plutôt que le control center. On est d'accord que eux ils peuvent pas le prendre. Peut-être, on va essayer. Des E2259 pour protéger la zone. Ok, on a plus de tank. On a plus personne pour tenir les tanks. Non, eux s'ils se mettent dedans, ça suffit, ça sert à rien. Ouf, ça fait mal. Bim! Allez, le dernier ATGM là. Faut recharger avant de mourir. Après vous repliez, promis. Oh merde, y'a un autre. C'est un peu mou tout ça. Allez, tirez-vous. Y'en a un qui est mort. Ouais, y'en a un qui est mort. Bon, on va le choper à la TGM dès qu'ils vont avancer là. Putain, ils sont en nombre, les enfoirés. Ouais, on peut mettre les ATGM dans les bâtiments, bien sûr. Hein. Putain, le Humvee là. Ah putain, le fumier. Ah, le Humvee s'est fait péter le cul. Same drill. Cover the evacuees while they fall back to the transport. Just gonna be us left after that. We're all getting out of here, Sergeant. No one's being left behind. Ouais, alors no one les left behind, mais bon, faut encore tenir ça. Ok, vous allez vous replier là, vous êtes à sec. Les snipers, ils en sont où? Ça va. Ici, ça commence à être compliqué. Là, faut qu'on répare un peu. Merde, tu fais quoi toi? Ah, ça fait tellement mal aux fesses, putain! On peut pas attaquer avec notre petit truc là. Notre petit MV. On va essayer de le faire courir au milieu de la zone pour protéger le tank, mais. On a du cul, on a touché son truc de tir. Par contre, faut se tirer là. Venez là, vous tirez-vous. Faut se replier.
Merde, ils se sont fait défoncer les deux qui étaient là. Le MV, ok, il s'est fait péter ses roues, non, c'est bon, il se replie. Non, on fera se rendre Bradley pour le moment là. Désolé, mais. On n'a plus d'ATGM là, il nous en reste un. Merde, j'étais trop lent pour les envoyer là. Alors, on peut ramasser éventuellement des armes par terre aussi. Après, le jeu a des imperfections, hein, Akat. Hein. Très honnêtement, on peut pas dire le contraire. Hein. Les gars, vous voulez pas les écraser, je ne sais pas. Ok, tourne-toi dans l'autre sens de préférence. Vous pouvez sortir de là. Reprendre ça, donc toujours en flamme. Reprendre le petit MV qui est là. On va se placer pour accueillir ce qui vient par là, tant qu'on peut tirer, parce que dès qu'il y a un tank, ça va peut-être la merde. On tienne le réacteur, c'est la, notre dernier objectif. Repliez-vous les gars. Où êtes-vous ? Là. Là. Le réacteur là, il est un petit peu à pôle. On va pas se mentir. Vous sortez de là. Hop. Ici. Vous. Ici. Notre petite ATGM à poil là, y'a pas un point de recharge là? Non, tout là-bas, ok. That's it. Everyone, pull back for final evac. Major Stevens, that means you too, sir. Sorry, son. No can do. Sir? Ah bah, je vois pas en quoi on pourrait pas utiliser un ATGM depuis un bâtiment à 4, mais bon. C'est pas un canon anti-char, hein, il le porte à l'épaule, hein. Donc ça va être l'heure de s'évacuer, mais le major veut qu'on fasse exploser la base en partant et se sacrifier au passage d'ailleurs. Ouais, et là le sergent nous dit ah maintenant tu veux pas désobéir alors que t'as désobéi pour attaquer le convoi et amener les machines chez nous. What are you saying, Mason? You're in command now, sir. You decide what we need to do here. Ok, il est sorti de son truc lui. Il n'y a pas d'escalier plus proche que ça. Ah, ça sent, la... ça sent le pâté pour toi, mon gars. Ok, repliez-vous. Si tu y arrives. Ceux qui sont là, repliez-vous. 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 Il y a des copains derrière qui tiennent le... la ligne comme ils peuvent. On va tenir jusqu'ici. On peut même pas lui tirer dessus. C'est la mort. Alors on peut activer le truc pour arranger ça. Il faut qu'on se tire. On peut activer le self-destruct, mais c'est pas une obligation. Pour activer le safe dès le truc, il faut tenir le bâtiment et on peut ensuite. Ben, il faut entrer un squad dans le building et là on peut activer le safe destruct. Bon, on peut tenter, tiens-toi. Si t'arrives à aller jusqu'ici, demi-tour, t'es tout seul, tu vas te sacrifier pour la cause. Y a lui qui j'ai oublié de sortir. Ah, ils vont se faire défoncer. They're gonna be stuck here when the base goes down. Sorry, sir, but that's the way it is. Affirmative.
J'ai traîné un peu à les sortir là. Bon, heureusement les machines sont assez lentes. Allez, tout le monde s'est évacué, il reste plus que nos rangers et notre petit crew member suicidaire. Alors on l'a pas trouvé dans cette mission, mais on peut ramper au sol, etc. Alors, est-ce qu'on peut le faire exploser? Order the squad to enter the building. Je sais pas comment on fait pour l'activer. Ah. Peut-être un bug de la démo du coup. Ah non, c'est ce truc là. Ça doit être là qu'il faut aller. Bon, alors est-ce qu'il va réussir à y aller en 30 secondes, c'est pas dit. Surtout avec les ennemis qui vont commencer à l'allumer. Reactor shut down in 30 seconds. Enemies ahead. Cours petit driver, cours Nart, Nart. Pour l'instant il est caché. Il est plus caché. Il est protégé par le bâtiment. Done. Now let's get out of here. C'était tendu. Allez, on détruit la base et on n'en parle plus. Et salut Kaiser, bienvenue sur mes lives. Ok, il y a le Falcon 6 qui se fait attaquer juste lors de l'évacuation. Mais avant qu'on l'ait atteint, visiblement. Le transport est détruit, on n'a aucun moyen de retourner au centre de commandement. Mais on peut se cacher dans le tunnel d'urgence, le sergent va pour l'instant nous suivre, mais c'est pas acquis qu'il continue. On a tué 44 véhicules ennemis, on a perdu 16 soldats. Et les homunculus sont bien énervés. Hein. And the major with it. What do we do now, sir? We're cut off from Founder Command and out here all on our own. We survive, sergeant. That's what we've all been doing since Judgment Day. Ah, le sergent, il est pas très content. Surtout qu'en plus, à cause du fait qu'on a pas suivi les ordres et qu'on a attaqué le convoi, il a perdu un de ses potes. Bad news is, none of us know anything about the territory this side of the mountains. Good news is, neither do the wireheads. Some kind of movement down there. Looks like people. Alors. Please, leave us alone. We don't have anything left to take. Hey, we're not here to rob you. Who are you? Where are you going? We're just trying to get away from the machines. They're everywhere in the south where we came from. We're heading north. Maybe things are better there? They're not. At least not anywhere you can reach. I'm sorry. Then where can we go? You guys look like you can take care of yourselves. Can we join up with you? We can fight if you show us how. Could do with new blood now that we're out here on our own. Lost people back at Haven. Probably gonna lose more. These people ain't gonna make the best soldiers, but if it's all we got. Then I need to find food supplies to feed all these new hungry mouths. There's a settlement called Abiquiu not far from here. They got supplies. They weren't too friendly, but maybe if you guys showed up. Ok, alors du coup, on est sur la carte. Alors ça, je connais pas encore cette partie. Comment tu le trouves le jeu? Bah écoute, pour l'instant, je le trouve vraiment sympa. Il est pas parfait, il y a certaines imprécisions et tout, mais pour des... Pour avoir pratiqué les wargames, c'est peut-être pour ça que Akat est moins fan. Je trouve vraiment sympa dans sa gestion des munitions, dans sa gestion du carburant, des ressources. Le côté tu peux pas mettre pause, faut vraiment que tu fasses tout en temps réel, que tu anticipes ce que tu vas faire, etc. Sinon tes mecs ils se retrouvent sous le feu et puis ils se font défoncer. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors on a 0 heure pour aller là, et ben on y va alors. Ah, et c'est la fin de la démo, ok, très bien, pas de soucis. Et donc, fin de la démo à Abiquiu.
Alors les soldats sont nouveaux à chaque mission, si on tue en fait l'une, la suivante est hyper dure vu que t'as plus personne. Alors les soldats restent, bah d'ailleurs on le voit là, hein, on a sauvé Big Bob, ils sont plus que 3 dans l'équipe. Pareil pour Mother One, pareil pour cette équipe d'ATGM. Visiblement les crews de pour conduire les véhicules on les a pas récupérés. En tout cas elles sont pas sauvées. Pareil, il me semblait que j'avais réussi à sauver les ingénieurs mais je les vois pas. Et donc ici on va avoir moyen visiblement de leur filer de l'équipement. On peut voir leurs munitions actuelles. Ok, restore c'est pour remettre 2 personnes dedans, très bien. On a 12 personnages qu'on peut virer éventuellement. Eux ils ont juste une petite mitrailleuse, mais ça sous-entend qu'on pourrait peut-être leur mettre plus que leur petit PM à la con. Là c'est des javelines, les javelines tu peux les utiliser dans des bâtiments en A4. Hein. Alors c'est sûr qu'il faut pas que ça soit dans des chiottes, mais un bâtiment de type bunker comme on avait là, il n'y a aucun problème pour utiliser une javeline quoi. On resupply, on leur met 2 mecs, très bien. On a déjà plus rien, et ça c'est ce que ça nous coûte par jour, ah, autant dire qu'on va être dans la merde. Hein. Ah oui, c'est pour ça Zikino, il y avait pas du tout, il y a pas du tout de pause ou quoi que ce soit, c'est vraiment full temps réel quoi. Et je trouve ça assez sympathique. Bon, il va y avoir une gestion visiblement quand même de nos troupes assez avancée. Je serais curieux de voir si on peut mettre, si on pourra changer les armes. Là, celle-là est jaune. Est-ce que c'est parce qu'il y a différentes qualités ou quoi que ce soit? Là, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes armes également. Un M4 là et un NGSWR avancé. Là, on ne peut pas cliquer. Je sais pas pourquoi. Alors ça, tu vois, typiquement... eux là, cette équipe de rangers là, Triomphe 1, dans la mission d'avant, celle qu'on vient de faire, j'avais une équipe de snipers, donc qui était équipée avec le tactical sniper rifle là, et ils se sont fait défoncer parce que j'ai mal géré, et ils ont laissé tomber leur sniper par terre, donc je les ai ramassés au passage avec eux, et du coup maintenant ils l'ont. Ce qui, j'imagine, est une amélioration, puisque le truc de base des rangers, on peut pas les... je peux pas cliquer dessus quoi, donc on peut ramasser des armes... pour faire des trucs, on peut pouvoir renommer nos unités, ça c'est cool aussi. J'aime beaucoup quand on peut renommer les unités, ça marche toujours bien. Et là, c'est pareil, visiblement il y aura des raretés d'armes, hein, parce qu'on a du gris, on a du vert, on a du violet, on a du jaune. Oui, sympathique. Moi je pense qu'il va être très prometteur ce jeu. On verra quand il sortira, je pense que je le toperai à la sortie. Mais du coup, bah, on va arrêter la découverte là. On pourra continuer de papoter un peu en live si vous voulez, mais on va arrêter la découverte là pour la VOD. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous avez pensé, si le jeu vous a plu, si vous êtes très dubitatif comme Akat sur dessus ou pas. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.